plus, j'ai pas rejoué depuis la dernière fois. Entre l'Orcana, parce que je joue pas mal à l'Orcana en vrai, le soir. Le soir, je joue à l'Orcana, je teste des decks et tout, ça me régale quoi. Alors, on était où la dernière fois? On s'était laissé là. Ok, pierre qui roule, mollo mollo l'artichaut. Qu'est-ce qu'on avait de ce côté-là? On avait gardé notre deck en légende. Les broches, on n'utilisait pas, on était parti sur eux, donc c'était plutôt cool. Je viens de commencer la calve et c'est une dinguerie. Merci à Ravine pour tes 1,20€. Et oui, c'est une dinguerie, n'oubliez pas, avec la commande, point d'exclamation, la calve, le meilleur jeu, évidemment. Allez, placer un maximum de vos allopièces là-dedans, quoi. Sais-tu si la réimpression de l'Orcana... Attends, sais-tu si dans la réimpression de l'Orcana, il y aura les 3 starter packs? Ou as-tu des infos? Je sais pas pour les starter packs. Mais j'imagine que oui, Kashi. Je vois pas pourquoi il les ferait pas. Après, les starter packs, ils sont intéressants si effectivement tu dois récupérer certains types de cartes. Mais bien sûr. La cale va bien step up. Attends, jouable. Je pense que vous n'êtes pas prêt pour d'entrer bientôt. Vraiment, et j'exagère pas. Préparez-vous. Là, le jeu va drastiquement changer. Préparez-vous. Donc voilà. Waven, c'est encore un OP ou c'est du pur kiff? Non, on a fait qu'une seule OP. On a 2 OP sur Waven. On en a fait une avec Zari il y a un petit moment. Et on en aura une autre pour la release officielle en décembre, je vous avais prévenu. Là, juste, c'est parce que j'aime bien le jeu et j'avais envie de jouer un petit peu. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas game. Donc voilà, tout simplement, les petits amis. Donc, si vous avez des trucs à me conseiller, tout ça, comme d'hab, on est resté là-dessus. On joue avec ça, on joue avec l'anneau des vies, l'anneau busier. Donc c'était très bien. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à ouvrir. On essayait d'aller choper le Gélano, moi, c'est ça que je voulais. Hop, je récupère. Moi, je voulais le Gélano, donc je sais pas si on est dans la bonne région, on va aller checker. On va reprendre ça. Ok. Ouais, je suis pas plus. Let's gong. Alors attendez, vous m'avez dit que c'était sur la map la dernière fois, si je me souviens bien. Et l'anneau roubois. Et c'était ça. Traversée rocheuse. J'avais mon build aussi à aller faire. Je sais pas s'il a évolué de base. Mais le Gélano. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Moi je trouvais ça vachement fort. Nation de Bonta. Est-ce qu'on n'irait pas là-bas pour essayer de le farmer, non? Ah, attends, certains anneaux ont changé. Ah ouais? Ah bah attends, ouais, t'as raison. Je vais peut-être vérifier les miens. Ok. Nous, on avait ça. C'était inflige 19 de dégâts autour de votre héros. C'est bien ça. Piocher un sort et moins un point d'action son coup si 3 adversaires sont touchés. Ah putain, mais ça c'était pas ça la dernière fois, l'anneau Réo. On est d'accord, l'anneau Réo, ça a changé. T'as pas le level pour Banta, je pense. Ah ouais? Ok, bah on va farmer alors un petit peu. Il n'y a pas de perso féminin sur la cave? Non, il n'y a pas de perso féminin. Parce que je pense que ça changera à terme. Mais la logique était que bah la cave touche principalement les hommes. Vous êtes sûr que c'était ça? Je m'en souviens plus. Ça n'a pas changé? Mais attends, le piocher un sort? Ou alors je suis complètement con et je m'en souviens pas. C'est le piocher un sort qui me... Ok, je suis peut-être bête. Quand vous jouez un sort élémentaire, plus 20% en dégâts de votre prochain sort qui n'est pas du même élément. Je crois que ça, ça n'a pas bougé. La plus dégâts, c'est confère votre 50% de son attaque en armure. Si, ouais, très bien. Et la fin du tour, piocher un sort supplémentaire. Ouais, ça, c'est bon. Je crois que ça n'a pas bougé au final. Ah, c'est pas indiqué. Attends, je vais mettre sur Twitch. Mon cher ami. C'est vrai, désolé. Ah bah, c'est bon, ça a été mis à jour. GG, les gars. GG pour ce que vous faites. Et merci, évidemment, pour les subs, resub, les frérots. Merci beaucoup. C'est le September, ça se la donne. Merci les amis. Donc voilà. Hein? J'ai pas compris de... C'est coucou J, c'est... Y'a pas de soucis, man. Merci aux gens qui viennent en... Attends, je suis... Quoi? Ok, non mais je vais jouer un peu solo dans un premier temps. Et après on verra. D'accord. Voilà, c'est bon. Bref. Bon, est-ce qu'on va rester ici ou pas? On est d'accord que pour mon build, je vais vous le remontrer.
Waven, c'était sur WavenDB, je crois. Ouais, c'est ça. Oh non, le build n'existe plus. What the fuck, bro? Ok, merde, le build n'existe plus. Est-ce que vous me conseillez un bon build pour ma classe? Je joue machin, Shiru Aiden, là, je sais plus comment ça s'appelle très exactement, c'est pas marqué dans... Voilà, là. Shiru Shadon. Et on avait pris ce qu'il fallait prendre, je crois. Est-ce que vous avez un bon build peut-être à me conseiller pour suivre un peu aveuglément, j'ai envie de dire tout ça, mais... Full PV et Pacific Tab sur 5% de ta vie. Ok. Ah, lien du build. Ah, merci, vous me l'avez redonné. Super. Merci, les gars. Merci beaucoup. Ah, bah, du coup, c'est pas... Ah, il y a bien le Gela. Non, c'est pas exactement le même. Je vais garder celui-là, alors. Ok. Mais attends, mais c'est Ninja. Ça a aucun rapport. C'est pas du tout Shiru Shaden. Si. Parce que là, je vois Ninja. Si, c'est ça. Alignement Shaden. Ah oui, Shaden. Mais attends, mais pourquoi? Ah, c'est un titre, excusez-moi, ok, pardon. Comme je voyais que c'était à côté de cette icône-là, je me disais, c'est une autre classe. My bad. Ok, ah, donc il joue bien avec Gelano. Quand je vous disais que Gelano, moi je trouvais ça turbo broken, les gens étaient en mode, non, c'est pas si bien pour ta classe. du coup, il faudrait l'anneau problemo, anneau d'acier, j'adore, et anneau occupant, anneau d'acier, et le papy brassard. Donc nous, de ce côté-là, on est... Je sais pas si j'ai brassard. On a le brassard celui-là. Un oblizard, un brassard. Brassard bondissant. Non, on n'a pas celui qu'il faut. Donc ça c'est mort. Et en termes d'anneau. Anneau dévié, anneau oignon, anneau massif, anneau phtalmo. Anneau problémo. C'est celui-là? Ou c'est pas celui-là? Anneau problémo, c'est bien celui-là. Ouais. Fin du tour, j'ai un temps supplémentaire. Et ensuite, anneau d'acier, anneau occupant. Je regarde un petit peu. Tac, tac. Parce que c'est dommage, parce que moi, j'aime bien les anneaux que j'ai. Hein. Ah, anneau occupant. Début du combat, plus 30% de vie à votre héros. Ah ouais, c'est full life, en fait. On joue en full life. La vie, c'est la... Voilà, on joue avec de la vie, quoi. Ouais. Tu vas au dodo? T'as été sage? Oui. Attends, je vais chanter là. C'était bien? T'as bien mangé? Oh, t'es fatigué. Bonne nuit. À demain. Ouais, si tu veux. Ok, donc on a bien l'anneau occupant. Ça, c'est good. En gros, ce qu'il nous faut changer, c'est le anneau pour le Gelano. Et en gros, les deux qui font de la OE sont pas dans le build, quoi. J'ai l'impression. Anotilus, ouais, c'est ça. Ok, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait changé quoi que ce soit. Il faut vraiment jouer avec la vie. Je pensais pas que c'était autant de life en fait sur le PC. Tu vas faire des dégâts en fonction de tes PV. C'est pour ça que tu dois gratter des PV partout. Ok, c'est vraiment pas une classe qui fait des dégâts en fonction de son attaque, mais vraiment des PV. Ouais. Déjà, le truc qui va faire des damage, vous savez, le passif qu'on a sur les persos qui sont alignés, je trouve ça très fort. Donc, Papy Brassard et Anneau d'Acier, ok. Ouais, et pour l'instant, on va laisser ça tel quel. Allez, c'est bon. Papy Brassard, je sais pas où c'est que je peux le trouver, par contre. Parce que ça, c'est sûr que je l'ai pas. On va aller voir. Ok. Alors... Je sais pas si c'est du bleu, bouclier enflammé, non, bondissant. Vous savez où c'est qu'il se trouve, vous, de base, le... On avait ça au début, de flow. J'aime trop les designs des équipements, ça me régale. Papy brassard. Ah, ça change tous les jours, la rotation. Ah, ok, bro. Donc, il y a un monde où je peux ne pas le trouver dans les rotations du jour, ou il y a forcément tout. Papy Brassard. C'est un livre des bouffetous, let's go! Retournons chez les bouffetous. Allez. Les bouffetous, mesdames et messieurs. C'était là, je crois.
Il débouffe tout, ouais. Il n'y a pas forcément tout, hein, ok. Bon, on est d'accord qu'en termes de drop... En termes de drop... Je peux l'avoir là. Je vais aller voir, je vais faire un test. Il y aura la rediff. Il y a toujours... Dites-vous que quand je suis en live, il y a toujours toutes les rediffs. Quand vous posez une question, est-ce qu'il y aura la rediff de ça? Il y aura la rediff de ça. Quoi qu'il, ok. C'est très rare qu'il n'y ait pas de rediff. À part les trucs qui sont strike, quoi. Alors, les règles. Les boutons sauvages affûtent leur corne pour se joindre au combat. Ok, super. Et là, c'est l'adversaire civil doit être achevé en premier avec l'attaque de votre héros. Ok. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Alors, attends, faut que je me souvienne un petit peu comment on jouait ça. Un point d'action en réserve. Combo. Celui-là, il revient dans la main. Ça nous régale. Bon, moi, je vais juste faire ça. Est-ce que ça va... Pardon, je me mets à dégueuls. Est-ce que ça va mieux niveau, niveau serveur? Donc c'est toujours un peu compliqué, quoi. Tu deck build pour les spells, j'ai full deck build. Hein, y a pas, on n'a rien copié du tout. Je fais un peu en fonction de ce que j'avais et ce que j'aime bien, quoi. Ouais, il n'y a plus de problème. Trop cool. Trop cool, en vrai. Lui, il faudrait que je le tue avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pas? Un peu de dégâts. Ok. Est-ce que ça le tue? Non, je pense pas que ça le tue. On peut se mettre là. Et ça, ça le tue pas non plus. On va faire 19. Ok, perfect. Perfecto. 26. Prochain tour, il se prend une sauce. Plus aucun lag, alors ça c'est le bonheur. Moi par contre, j'ai vraiment hâte que ça sorte sur mobile. C'est le mobile qui nous régale. Est-ce que je le tue en auto? J'ai 22 et il a 26. Non, c'est mort. C'est mort de chez mort. On va faire ça. Putain. J'aurais dû le repousser de ce côté. Je me suis fait chier pour rien. Je me suis fait chier pour rien, putain. J'ai la haine. J'ai la haine. Bon. Il va prendre ton 33. Ça va toucher là. Là, ça lui a enlevé le shield. Non, ça sert à rien qu'on l'utilise maintenant, je pense. On va juste garder. Est-ce qu'on bouge ou pas? Il me reste 1, autant l'utiliser. Après, on perdra le bonus archer qui enlève 1. On sait quoi, on va juste faire fin de tour. Un peu ma part. Mais ça, il le récupère tous les tours. Le shield. Malade, bouclier annule les prochains dégâts subis. Ouais. Je sais pas s'il le récupère tous les tours, mais en tout cas, c'est bien relou. Bien relou. Ça, on retire les shields. Ok, comme ça on a ça. Ça va tout là. Boum. Voilà, parfait. Là on est à 4 malheureusement, on a 3. On va finir l'outil. Et bah écoutez, on va garder nos 3 points de réserve, hein, je pense, pour après. Avec le combo. Pas mal le petit tour. Ah merde, je suis con, j'avais 3. Putain, j'avais stacké. On a 3-2, j'aurais pu. Ah non, on n'a pas 3-2, pardon, on a 2-2-1. Non, j'ai toujours pas assez. Hein. J'ai toujours pas assez.
bouffon, ça, ça dégage. Normalement. On pioche. Oh, on peut faire un petit combo sympa là. J'ai pas un truc avec archer. On va toucher les deux. Vas-y, tu sais quoi, ça va être la fin, on va faire ça. Non. J'ai l'impression que je suis un génie du jeu, j'ai l'impression. Et on va... Attends, celui-là, il a archer. Ouais. Ah non, il coûte 4, vas-y, laisse tomber. On va s'arrêter là, c'était pas mal. Il fout du Vosser. Ça dégage la racaille. Voilà. Bon, ça fait chier le challenge qui est pas réussi. Ça fout les boules. Hein. Juste montrer les spells. Allez, prendre ça. Mets un coup de presse, c'est en camion pour savoir quand ça sort sur mobile. Décembre, Vincho. Sur mobile, c'est sûr et certain, ça sortira en décembre, les gars. Le jeu est release officiellement en décembre, et donc du coup, sur mobile, ça sortira en décembre. Voilà. Ça, après, j'ai pas la date, mais je sais que c'est décembre. Ouais, les gars, on a les infos ici, hein. Je fais partie de la commu Waven. très bien. Petite question pour les plus grands connaisseurs. Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille en donjon, là, sur Bouffetou pour récupérer de l'item, ou pas très intéressant? Il joue avec quoi? Avec quoi comme spell? Il joue avec ça, ça. Ça, je l'ai pas encore. Non, ça vaut pas le coup. Il est dispo sur Android, VPN, Malaisie. On parle officiellement, quoi, les gars. Pas forcément, donjon, t'as accès au coffre et au shop, donc pas mal. Bah, faut que je farme surtout mon niveau 50. Ok, bah dites-moi ce que je dois faire pour le farmer rapidement, mon niveau 50. Entre guillemets, quel est le truc le plus opti pour que je bouge sur le niveau 50. Là, le build m'a l'air pas dégueu, mais ça, je l'ai pas encore. Ça, je l'ai. Ça, on l'a. Ça, on l'a pas. Inflige l'attaque de votre héros à un adversaire en échange de leur position. Je l'ai pas non plus, ça, je crois. Bon, ces deux trucs-là, on l'a pas. Ah, si t'as beaucoup d'argent, d'accord. Ok. On a 20... Donc nous on a ça. On a pris ça. Il nous faudrait ça. Et il nous faudrait ça. Téléporte votre héros jusqu'à 2 cases, inflige 50% d'attaque autour. Attends, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ce truc là. Téléporte votre héros jusqu'à 2 cases, inflige 50% de son attaque aux adversaires autour de sa case d'arrivée. Puis le téléporte à sa position. Ouah, c'est une dinguerie ça, c'est trop bien. Ah oui, ça coûte 6. Du coup tu fais... Oh là 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 là. D'accord. On peut prendre les deux, je pense. Si je rush pas les HP, je vais prendre ça. Attends, non, je peux pas le prendre encore, ça. J'ai 20 disponibles. Si, je joue. Ok, on va prendre tous les trucs avec la base de téléportation. Qu'est-ce qu'on peut retirer de notre deck, là? La problématique, effectivement, c'est que au niveau des items... Les items, on a ce qu'il faut. Il me faudrait le papy brassard, là. Et après, je pourrais changer un peu mon truc. Pour les no-farms les plus bas level, c'est le même taux de drop. Ah ouais? T'es sûr de toi? Parce que j'avoue, le Gélano, moi, il me fait grave de l'œil. Donc si je peux aller le chercher de suite, il serait à... Bonta. Bonta, si je peux y aller. Regarde le marchand. Ouais, je vais aller voir. Ah oui, vous avez raison, putain, c'est vrai qu'il y a les marchands. Papy Brassard. Putain, 500 points, j'en ai combien? Où c'est qu'on les trouve, ces jetons? C'est en faisant les quêtes, non? Ça, je pense que je suis un peu baisé, pour le coup.
Oui, donjon, ouais, c'est ça. Ok. Alors, autant te dire que le Gélanon, on en est très très loin. Alors, Banta, où c'est que ça se trouve? Île des Thors. Crackleur. Chuchoteur. Nation de Banta. Donc là, il y a la nation de Banta. Donc, est-ce que j'y ai accès, en fait, ou j'y ai pas du tout accès? Et des shafters, bateau vampire. J'ai pas accès, en fait. Là, il y a une... 35 PQ dans l'île des Bourks. Ah ouais. Ok, il y a beaucoup d'XP mais pas de shop. Donc comment je fais pour aller à... Ce serait ici donc techniquement. Pour déverrouiller cette île, il faut obtenir 250 PQ dans les îles voisines. Ok. Putain, fait chier parce qu'il y a des décollets. Et en même temps, j'ai besoin du papy brossard. Je vais quand même continuer ici et essayer d'avoir ça. Je vais aller faire la quête journalière. On y va. Ouais, pour montage, j'ai pas le level, on est d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Quête journalière. Il est où le bug? Terminer le donjon bouffe-tout face au bouffe-tout agressif. Vas-y, on va aller le faire. Je vais aller faire le donjon en solo là pour voir. Il me l'a donné un peu. C'est parti. Oh, niveau 2! Niveau 20? Je suis quel level? Niveau 20, je suis quel level moi? Niveau 20, c'est parfait. Non, mais vas-y, c'est nickel. Let's gong. Allez, j'y vais. Je vais essayer de faire tous les défis, les gars. On va aller se le faire, ce donjon. Donjon de ses morts. Règle. Coup de grâce, le personnage rejoue son tour. Ah ouais. L'adversaire ciblé doit être achevé en premier. Ok. Peu importe comment, mais il doit être ciblé en premier. Ok, il va prendre un peu sa part. Attendez, est-ce que je peux m'approcher ou pas? Je vais juste faire ça. Piocher un sort. On va faire archer. Voilà, comme ça on a pioché les gars. Là on est bien. Oui, vous pouvez jouer à 3. Vous pouvez jouer jusqu'à 3 en équipe normalement. Si ça n'a pas changé. J'ai pas testé le PVP non plus. Ok. On va faire ça. Comme ça, ça nous met un petit point. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec la clochette. Mouillé, map. Est-ce que là... Ah, j'aurais bien aimé aller là. Est-ce que je peux... Non, je peux pas aller là non plus. Attends, après, je peux faire ça. Là, je peux faire ça. Voilà. Ah, ça, vraiment, ça fusille tout le monde. À deux, on a combo point d'action en réserve. Ça, ce serait pas mal. Ou ça qui est archer, je pense qu'on peut faire ça. Ça inflige combien? 21. Je laisse à rien du tout, je vais aller là, putain. Et là, on va se mettre là. En fait, j'aurais dû aller sur lui, ça l'aurait... Ah bah non, ça le tue aussi. Et là, je me mets là. Quel tour! Quel tour, les amis! Pas fan du PVP. PVP éclaté, mais c'est le début du jeu. Ok. Après, j'avoue que moi, ce que j'aime bien, là, c'est jouer, jouer en donjon. Et je pense que ce qui est cool, c'est jouer avec ses potes. Quoi. Alors. Ouais, on va aller mettre ça. Oh, j'aurais dû tuer monsieur présent. Quick, quick, quick. Ouais. Pas assez, on est à deux. Oh, tu sais quoi? On s'en fout. Je crois que j'avais plus un avant ou après, je sais plus. C'est bien avec d'autres personnes, mais tu joues moins. Je pense que déjà à deux, c'est cool. Si t'es, bah après, si tu joues avec quelqu'un, t'as l'habitude, ça va vite et tout. Et moi, j'aime bien jouer solo aussi. Hein. Donc, c'est... C'est très cool. J'ai lavé la map. Je sais pas c'est quoi les clochettes, mais en tout cas, ça fait du bien. Nickel. On en a récupéré.
On va aller se le faire celui-ci. Ma bouffetonne. Oh non, elle s'est échappée. C'est corrigé. On va passer là-bas. Donc lui, normalement, il fait que nous, lui, il me semble. Alors, l'adversaire ciblé doit être achevé en dernier. Ok, ça marche. On va se mettre là. Ouais. Ok. Attends, je peux rebouger ? Ah, mais parce que attends, eh oui, le coup de grâce, je rejoue mon tour, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, je suis con. Ok, repousse aide. Et maintenant, on va juste faire ça. Ouais, j'avais oublié qu'il y avait dans les règles, quand tu fumes un mec, tu récupères un tour. Ça, c'est trop bien par contre. Oh, il se fait laver la gueule. Et c'est lui hein, qui doit être tué en dernier, donc faut qu'on aille fumer les autres. Nickel. Pas mal. Il vient nous kekro. Ok, c'est lui. Lui, il a 143 à 47. Je pense que 47, on peut le déglingos. Attends, ça t'épée pas, ça? Notre héros, un adversaire, se téléporte. C'est vrai. On va faire ça. Voilà. Au moins c'est pioché, on n'est pas trop mal. On va garder le point d'action, je vais prendre plutôt ça. Voilà. C'est quoi le taux du drop de Gelano? Oh la vache, j'imagine que le légendaire ça doit être quand même assez rare. Ça se drop pas si facilement, non? Surtout que, on est d'accord que quand vous le droppez c'est cool, mais vous avez besoin d'en avoir plusieurs, non? Pour pouvoir upper l'item. Ah putain. Ça va pas donner archer parce que j'ai trop de spells. Mais ouais, ça m'a pas donné archer parce que j'ai. Putain, fait chier, ça c'est con ça. Je sais qu'on va faire ça. Ok. Ouh! Pas trop mal, pas trop mal. Putain, par contre, les familiers, enfin les compagnons se sont fait défoncer. Ils n'ont pas survécu bien longtemps. Ok, 32 ici. Ça, ça a arché aussi, ça a arché aussi. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu?
tue pas, hein. Et là, on a Archer. Et putain, ça tue pas non plus. Attends, si je fais ça... Je fais ça. Je peux rejouer. Lui, il va mourir. Nickel. Là, je fais ça. Et il reprend sa part. Parfait. Énorme travail, encore une fois, de ma part. Le drop plusieurs fois, mais surtout, c'est 1000 balles pour l'améliorer. Ah ouais. 1000 balles. Et en plus, je pense que tu parles des... de la monnaie spéciale, là, qu'il faut. C'est pas des kamas qu'il faut. Le problème, c'est qu'à farmer, c'est un enfer, j'ai l'impression. Let's go. Point d'exclamation, calvici, carrément. Ah si, c'est en kama, c'est en kama. D'accord. Enfin, c'est en kama, c'est... Tu payes en kama, quoi. Lève-la. Je sais que je suis là. Il va rendre Bousquet maintenant. On va le baiser, t'inquiète. Bon. Avec elle, les bouffes Toussaint repeupleront le monde. Elle reste avec nous. Hors de question. Ouais, les items légendaires, c'est compliqué à farm, mais sinon le reste c'est vraiment easy. Bah tant mieux, comme ça c'est accessible. Après, faut pas que les items légendaires soient trop simples aussi, sinon c'est haché, tu vois. Ok. Ok, on doit le tuer. Lui, on doit le fumer avec un sort à la fin. Ok, ça me va. On va juste faire ça. On va le mettre là, lui. Merde, c'est pas moi. Est-ce que je viens de le soigner? Merde. Voilà, voilà. J'ai pas bougé. Je suis trop con. Pauvrette. En vrai, lui, je l'ai fait partir alors qu'il est invincible. Je crois qu'il a pas de vie, donc... Ouais, c'est ça. Il reste combien? Je peux rejouer? Ah, ça fera pas assez de dégâts, je pense. Même avec le là, si j'utilise ça, ça fera pas assez de dégâts et je vais perdre 1 de value. Non. Bah lui, il peut pas... il peut rien faire, ouais. Ah d'accord, ouais. Ok, ça tue lui. Putain, j'aurais dû tuer avant, je suis trop con. Ça tuera pas. Plus 3, ça fait plus un point d'action en réserve, 19. Lui, il a 40. En vrai, je pense que lui, on peut le tuer, il y a un monde. On va faire ça. Ça fera combien? 23 de dégâts. Là, ça met un point d'action en réserve. On va juste utiliser ça. Ok. J'ai pris trop de temps pour réfléchir. Ouh, désolé, hein, je suis vraiment focus en mode... Attends, qu'est-ce que je peux faire de manière optimale
Mais il y a tellement de possibilités, parce que j'aime trop cette classe pour ça, quoi. Juste avec les téléportations, naninana. Vas-y, on va aller fumer lui, on va faire ça. Là, je peux pas l'utiliser. Ça, c'est un peu naze. On peut mettre mouillé pour 1. Plutôt mouillé pour 1. On va faire ça. Ça tue pas. Non, on peut passer derrière et après je pourrais revenir de toute façon. Ou alors je fais ça. Attends. On aura 2. Vas-y, on va prendre ça. Ça, ça tue lui. Ouais. Ok, il prend sa part. 2. Là, j'aurais pas assez. On va finir ici. Ok, pas mal. Pas mal en vrai. De retour sur Waven, trop cool. Le jeu est vraiment bien. Je sais pas du coup si vous avez fumé le jeu. Si vous êtes tous niveau 50, parce qu'on m'a dit que c'était le niveau max là pour l'instant, 50. Si vous avez ralenti un peu ou pas, vous continuez de massacrer tout le monde. Alors lui, il doit être achevé par un sort. Ok. Putain, il a 255. Il va tuer cette petite demeure. Ah merde, je suis obligé d'aller là. Ah, fais chier. C'est pas ce que je voulais. Je suis trop bête. Attends, si je me mets là. Je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Fume-le. Juste. Ah, ça marche pour les personnages aussi, ça marche pour les compagnons. Oh, compagnons. Oh putain, il va rejouer. Ah, mais aussi ça marche du coup. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Aïe, stop. Stop. Putain. Attends, faut qu'on fasse ça. Pas mal, pas mal. Et on va le faire aller là. Combo qui revient dans la main, ça repousse. On a plus 0, on va juste faire ça. Ça active, boum. Et on... Ah bah... Quoi? Je suis censé rejouer, non? Ah, est-ce qu'il considère qu'il a été tué par la repousse et du coup c'est pas moi qui l'ai tué? Ah si c'est ça, c'est abusé. Ah, j'étais normalement... Normalement, je suis censé avoir repris un tour. Ou est-ce que c'est un... Putain. Le bassard gris qui fait des dégâts en fonction des HP max quand tu attaques est plus permissible si jamais... Surtout quand tu débutes. Je sais pas... Bah là, c'est ce qu'on... Enfin, on essaye d'aller chercher le brossard dans un premier temps. Et là, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas rejoué, du coup. Très bizarre. On va juste mettre 5 comme un gros schlagos. Voilà. Il faut pas qu'on le tue. Il faut le tuer en dernier ou pas? Avec un sort. C'est quoi, ça? Voilà. On va juste mettre un petit peu de damage. Il a 83.
Ouais, il est mort sur les dégâts de poussée, pas toi, donc ça compte pas comme ça. Okay. On est bien d'accord. J'étais pas sûr. Le frérot, il veut m'attaquer tout le temps, quoi. Mm-hmm. Je crois pas que ça le tue, donc je vais faire ça. Depuis quand ça fait autant de dégâts? J'ai fait 44 dessus. Je suis dégoûté, hein. Je suis dégoûté. Je crois pas que ça le tue, ça l'implose littéralement. Ok, bah c'est fin de tour. Ouais, je crois pas que ça le tue, mais à chaque fois hein, je me fais avoir. Non, je pense que ça le tue pas. Mort. Ah, je suis deg. Putain. Chien. Non, c'est un peu. On se fait bien baiser. C'est bien baiser, on va pas se mentir. Bon, tant pis. On récupère un peu d'XP. Oh, j'ai cru que c'était le papy brossard, mais c'est pas du tout ça. Fragment de Wakfu, peut-être échangé au Cabrok, et ça, c'est ce qu'il nous faut pour échanger contre ce qu'il faut aussi. Oh, le pire, c'est quand tu sais que ça tue pas et ça fait un critique. Là, je me disais, non, on n'est pas au point où on va faire des critiques. Juste, non, effectivement, ça commence à faire pas mal de dégâts, mes TP, les téléportations. Allez. On va me laisser emmerder, là. Très bien. Allez, c'est quoi ce challenge cette fois-ci? Tous les adversaires doivent être achevés quand votre héros est au moins à 4 cases de distance. Ah ouais, mais putain, c'est chiant. Tous les adversaires. Oh, la lourdeur du défi, putain. Ah ouais, c'est d'une lourdeur. Pourquoi je ne rejoue pas mon tour? Attends, je comprends pas là, c'est bien moi qui l'ai tué? Ce challenge, je le fais jamais. Non, c'est pour ça que je veux pas le faire aussi. Mais là, je comprends pas là. Ok. On est d'accord que. Est-ce que c'est ça marche qu'avec l'auto-attaque? Bah là, on est censé rejouer parce que là, on a la loi du plus fort qui est active. Tu l'as tué avec ton passif. Coup de grâce, c'est l'attaque de ton perso. Non, je l'ai tué avec un sort, je l'ai pas tué avec mon passif. Mais du coup, ouais, ça confirme alors. Ok. Ça confirme. Là, tu vois, j'ai tué, mais c'est... Je comprends pas, là, j'ai tué avec le passif de mon anneau. Et là, ça marche. C'est très bizarre. Hein. C'est hyper chou. Avec sort ou attaque? Bah ouais, mais j'ai fait un spell, juste avant. J'ai pas tué avec mon passif, j'ai vraiment tué avec un spell quoi. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi c'était pas passé. Ah là, je peux plus bouger, c'est ça. Ok.
pas très très grave. Ça. Oh, le critical qui est absolument sublimissime. Mange ta mère. C'est une masterclass qu'on vient de délivrer, les gars, j'ai l'impression. Pff. Oh là, j'essaye et je connais mon build. Les règles du donjon s'appliquent au Boutou, pas à toi. Si, si, ça s'applique à nous aussi, hein, puisque regardez, là, je vais le tuer. Voilà, je rejoue. Je peux rejouer, tu vois. Donc, si, si, ça s'applique à... Ça s'applique à tout le monde, mais bizarre, des fois. Après, c'est pas pareil. On n'a pas eu le challenge, hein. Tout seul, c'est vrai qu'il est bien chiant le brassard de traversée enflammé. Non, c'est pas ce qu'il nous faut. J'oublie à chaque fois à quoi il ressemble le papy brassard. Là. Je vais aller rechecker. Le papy brassard, il ressemble à ça. Bah, c'est littéralement c'est un papy brassard, quoi. Vas-y, on va aller t'aider. C'est un marbré, c'est littéralement un marbré, hein, c'est ça. D'où le nom. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne, elle? C'est quoi le défi? Je vais en premier avec l'attaque de votre héros. Ok, ça marche. Il a combien de vie? Ok, il a ça en vie. Donc, ça. Nous, on va faire ça. On va lui mettre quelques damage. On a peut-être pas dû mettre là, mais bon. Ok, on s'en fout. Pas mal. Ouais. On va rester là. Bon, 34 par contre. Je sais pas combien d'attaques elle a, elle, mais. Elle a 20. Elle tue pas. Elle le tue pas. Ça, ça nous inflige combien? 33. Ok, très bien. Il me faudra un truc qui me TP. Attends, nous, on va faire ça. J'ai cru qu'on ferait pas les dégâts. J'ai eu extrêmement peur. Ça en combo, ça pourrait être pas mal. On va juste faire ça. Double hit, double damage. Boum, dit. Ça, ça régale. Maintenant, on va aller fumer celui-là. Je pense que là on fait ça. Nickel. Ça c'est un très bon tour, messieurs dames. Hello, tu fais des openings de cartes magiques? Non, Smogda, oui, je joue pas à Magic. C'est pas du tout un univers qui m'intéresse, Magic. Même si je reconnais le jeu, je le fous que ça, hein, mais ça. Pas pour moi, Magic. Est-ce qu'on irait pas là? On ferait pas ça. Ah, ça tue, hein.
nickel. On fait ça. Perfecto. Ouais, pour l'instant, c'est que sur PC, B349. Après, ça sortira sur mobile, de toute façon. Donc, no paniscos. Allez, pitié, quelque chose. Non, pas de marbré. À part me marbrer la gueule. Eh bien, je vais aller y jouer. Moi, franchement, je vous conseille le jeu. Hein. Là, je suis plus... depuis un moment, on y joue par pur plaisir. Hein. C'est pas une OP ou quoi. Je trouve que le jeu est vraiment cool, quoi. Alors que je suis pas un joueur de Dofus. Je pense que quand tu joues à Dofus, ça doit être quand même relativement différent. Mais tu dois retrouver aussi plein de refs. Évidemment. Et alors, bon, si tu es... Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Si tu es un Wakfu... un Wakfu suceur, alors là, ça doit être encore plus incroyable, je pense. Ok. Ça marche. Où est-ce que je vais? Est-ce que je vais là? Vas-y, c'est quoi? On va là. On va faire ça. Non, ça vaut pas le coup. Je vais garder. Je vais garder pour après. C'est vraiment niveau 30 que tu commences à vraiment kiffer avec les deux passifs. Bah déjà, on m'a dit niveau 15, tu vas voir que le passif, ça change drastiquement les choses. Mais après, à niveau 30, je pense que c'est encore mieux parce que t'as littéralement tes deux passifs. Et du coup, ton perso, techniquement, est dans sa phase la plus intéressante, quoi, je pense. Alors lui, hein, lui, il doit être collé au... Ouais, on doit le coller là-bas. Ok. Là, l'avantage, c'est que je les ai bien bait. C'est très bon. 8. C'est ça qu'on veut. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ce qu'on est en train de produire. On a Archer qui peut tomber potentiellement maintenant. Parce que là, ça a 13, 50, 28. Ah merde! Putain, j'oublie que j'ai ça là. Ça nous baisse tellement, enfin, fait chier. Bon, bah tant pis. Hein. Ah, je suis con là. Tu as jusqu'à quelle heure environ? Oh, 20h30. Tu es comme d'hab, hein, tranquillou. Ah, j'oublie à chaque fois que quand on est full sort, c'est ça là qui nous baisse, là, la maladie, c'est mort. Il faut qu'on le mène ailleurs, là. Elle se fait graille par toutes ces créatures. On peut faire ça. Oui, il va mourir. On va crever. Là, on peut faire ça. On va piocher, du coup. Nice. Et là, faut que je commence à me barrer vers le bord, quoi. Pour l'attirer, lui. J'ai plus un, mais il y a très peu d'intérêt. Je vais mettre là. Lui, on va pas le faire tuer. Est-ce que non, on va prendre ça pour la suite. Je vais les attirer au fond. Vas-y, let's go. Bon, je laisse la maladie, hein. C'est pas très grave parce qu'on peut tanker, on a encore des HP. Est-ce que ça va bouger là-bas? C'est lui qui m'intéresse, hein. Alors, est-ce qu'il vient vers moi ou pas? Ouais, nice. Ok. Oh, il va là-bas. Et on va laisser tomber. Au moins, je peux me focaliser sur eux.
Il prend sa part aussi normalement. Est-ce que j'irai pas tuer lui? Ouais, on va faire ça. Ouais. Hop, là on va faire ça. Et en combo, un point d'action réserve. Donc on va mettre les dégâts ici dans un premier temps. Lui va mourir de là. Ça tue. Là, ça tue. Et normalement, lui, il meurt parce qu'il va le tuer. Donc, on va se mettre là. Un tour. Alors, on fait un beau tour, là. Ah, là, avec les règles qui font que tu reviens à chaque fois, c'est très bon. Ouais, là, il fait chier. On va se mettre là. Ah, nickel. Comme ça, au moins, on fait le défi. Let's go! Let's go, les gars, let's go! Et le défi a été bien fait, on a rien. On a rien de zinzin. Et on fait la quête. Alors, le boss doit être ici. Oh là là! Regardez-moi ce spécimen d'exception! Il est énorme. Il est énorme et sec. Dame, les amis. Je suis le bouffetou de zinzin. Ah ouais? On va voir, mec. On va voir si t'as le niveau. Ok, ça c'est du pain béni, ces petites merdes, pour les règles. Alors, la dernière cible doit être achevée sur une des 9 cases au centre du plateau. Ok, ça c'est faisable. On va la mettre là. Oh là, c'est quoi cette merde? Début du tour, soigne de 16 points de vie les alliés autour. Ok. Bah, pourquoi pas. Très bien, très bien. Nous, ce qu'on peut faire, c'est... Non, on pourra pas l'avoir ici. On va faire ça. On va se rapprocher. Ah, putain, ouais, il y a encore ça, là. Ça nous fait chier. Je peux aller là, en vrai. Faire ça. Faire ça. Normalement, en faisant archer, je récupère un tour. Parce que lui va mourir. Ouais, c'est ça. Let's go. Tuile. Les combos de zinzin que ça fait, ça me fusille. Ok. Et lui doit être tué au milieu. Donc maintenant, on retrace vers le centre. Ouah, les tours de malade! J'aime trop! Gigi n'a pas l'air de voir mon message. Quelqu'un aurait lu la réponse. Attends, tu disais quoi, Nivik? C'est le frérot, mais super réponse, c'est cool, je sais pas comment faire. Je sais sur les un film, je joue avec toi, un boîtier d'acquisition, ça marche. Le boîtier d'acquisition pour ton téléphone, non, c'est vraiment pas du tout. C'est vraiment une solution chère, quoi, on va dire. Ça dépend quel téléphone tu as. Si tu as un Samsung, tu peux utiliser Samsung Dex qui est très très bien. Pour des jeux, on va dire, comme Simulance War et tout. Après, si c'est des jeux où tu dois bouger en écran tactile et tout, c'est un peu relou. Sinon, oui, tu peux passer par de l'écran d'acquisition, mais il te faut un dongle, il te faut ce genre de choses, quoi. Sinon, tu peux jouer via émulateur aussi. Ce qui est acceptable. Pour le coup. Et si je fais ça, je peux aller là. Il va prendre ses damage. On va les coller ici. Nous, on va faire ça. On va enlever ces deux mers tout de suite. Et on va faire ça. Faut quand même qu'on attire celui-là au milieu, hein, pour après. Merci Elie pour les 1 an de sub. Merci beaucoup. Merci à Lil Kulilin. Merci Joumès aussi. Comment il va celui-ci? Moins d'un mois avant le mariage, toujours t'attends pour mettre l'ambiance. C'est qui va se marier celui-ci, purée. Ça y est, le bonheur. Que du bonheur pour toi, mec. Oh, fait chier, il nous manque 1, 2, 2. Attends, on va le faire apparaître.
Ok. Et avec 3, normalement, on le tue. Attends, il a combien? 17. Ça, on fera les dégâts autour. Je vais prendre ça plutôt. Ah bah non, ça sert à rien. Ça sert à rien, on va plutôt prendre ça. Comment le défi est réussi? Et on l'a tué avec un sort, donc on ne reprend pas. Oh putain, c'est bizarre. Il y a des spells sur lesquels ça marche et d'autres où ça marche pas. Le passif, ça marche. J'ai pas tout compris au bail. Ça c'est 4. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est plutôt ça. Ça revient dans ma main. Ok, et là ma foi on est pas mal. Tu collectes les petits cristaux dans les donjons. Quels petits cristaux, Nerbri? Je vois pas de quoi tu parles. Là, dans un donjon comme celui-là, j'en ai pas vu en tout cas. Merci pour ton prime, mon petit Hermix Mikado. Thank you, man. Merci, chef Vigom, le 29e mois. Non, c'est la folie. C'est très grave, 29 mois. C'est beaucoup dans cette relation. Alors, attendez. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ok, je reprends. On fait ça. Oh, pourquoi il me l'a mis là? Oh non, c'est abusé, frère. Ok. Voilà. Bon, j'ai pris lui alors qu'il me fait piocher, j'ai plus de place. Hein. Là, j'ai vraiment tous les spells. Hein. Cristaux verts, ça sert à rien. Il y a tout petit cristaux dans certains étages à prendre. Il y en a sur ce niveau, d'accord. Et ça permet de débloquer les autres îles au plus vite, ok. Bah, donc ça sert pas à rien au final. Ça me permet de débloquer les îles. Quand je vous écoute, ça sert assez de la grosse de mer. Bon, bref. Pas nécessaire. Voilà, là il est pris en. Il est pris en tournevis. Faut 166 PV. Putain, j'ai plus beaucoup de vie. Hein. Je suis en train de capter là. Il reste 26 HP lui. Attends, non. On va devoir se barrer. Faire ça. Voilà. 22. Ok, normalement... Oh non, je peux pas. J'allais dire en combo, je fais ça, mais non. J'ai pas assez... Lui, il me tue pas, hein, 146, il a 32, non, c'est bon. Là, c'est un spell, donc je reprends pas... Si je l'avais tué avec mon passif encore, c'est vrai. Ok. 3, 3, 2, 2... Allez bouffon, t'as pas le niveau mon pote, t'as pas le niveau. Let's go. Niveau 22. Ah, on prend du bleu. Ouh. Ah bah je me suis fait chier pour rien à les prendre. Ah bon? Attends, je viens de dropper un papy brassard en finissant ce donjon à l'instant. J'espère qu'il sera même pour toi. J'ai dit, bah, c'est ce qu'on cherche. Et pour l'instant, il tombe pas. Donc ça fout un peu les boules. Mais c'est pas grave, on prend de l'XP, on s'amuse, on joue. On apprend notre petit build petit à petit. Même si c'est pas celui le final. J'aimerais bien avoir le petit papy brassard là. Il veut pas tomber. Ça dégoûte un peu. On a pas mal de coffres. Hein. Ça peut tomber dans un coffre hein, potentiellement. Pas dans ceux-là en tout cas. Ça il m'en faut. C'est pour le build je crois.
Ok. Boum. Je vais checker les spells qu'il nous faut avec le guide. Celui-là, vous voyez qu'on vient de prendre. Ça, on a déjà. Ça, on a déjà. On a déjà. On a déjà. Ok, 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 ok. Et du feu. Non, en vrai. En vrai, c'est good hein, en termes de spells. Pas forcément besoin de nouveaux. On va prendre des trucs. Enfin, de. Des nouveaux. Et puis monter peut-être les autres aussi. Ouais, le build apparemment est vraiment cool. Putain, pas encore. Ça tombe pas. On a du bleu là. Brassard de flot, brassard boueux. C'était quoi les autres qu'il nous fallait? C'est anneau d'acier. Parce qu'on a le cupan, on a le problémo, mais il nous manque anneau d'acier. Anneau d'acier, on l'a pas. Et là, il y est pas. C'est que des nouveaux. On va prendre un peu au hasard. Allez, s'il te plaît. Oh oui! Oh, le brassard bondissant. Non, 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 on n'a pas ce qu'on veut. Anneau citane, ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Et anneau d'acier qui n'existe pas, un ouragan, un loup foudroyant. Bon, on va prendre celui en termes de value. Je vais prendre des nouveaux. Ça fait chier. C'est sur WAMDB le build, les amis, je vous remontrerai après si vous voulez. Ok, familier. Vous savez quoi, en famille, on va prendre des nouveaux. C'est pas très grave. On n'a pas ce qu'il faut pour le build de toute façon. Ok. Si la cible est huilée. On va faire ça. Bon, c'est pas tombé encore. Allez, on y croit. Putain, les donjons sont bien longs à chaque fois. Allez, un petit papy brossard là. Petit papy brossard, tu connais. Là, ce qu'on peut faire, c'est ça. Mais ça, je veux bien, mais putain. Je vais l'utiliser pour après, du coup. Attends, c'était quoi le... Ok, tous avec mon attaque, hein, c'est un peu chiant. Tant pis. Websorki, c'est à la base, ça vient de Naruto, mais bon, un petit moment que Naruto, on a stoppé. Hein. Ah, c'était la belle époque. Ok, là je me fais vraiment malmener. Et là, si je pioche, j'aurais pas arché, donc ça m'emmerde. Ça, j'ai pas forcément envie que ça revienne dans ma main. Bon, on peut faire ça. Voilà, ça fera 7, c'est mieux que rien. Et on va faire une petite fin de tour ici. Après, on a de quoi se TP. Ah, on a de quoi se TP, mais on pourra pas bouger. Putain, ils nous m'ont paralysé. Les relous en soirée. Ça sert pas à grand chose, enfin je peux juste retaper, c'est mieux que rien, hein, vous me direz, mais... je peux m'éloigner avec ça, je vais peut-être... Ouais, on va se barrer. Est-ce que je me barre là? Ça, lui, il est bien loin, et après, normalement, avec la TP, archer, tutti quanti, je pourrais faire quelques petits trucs. Je crois qu'il y a un truc dans mon build qui me fait piocher ce que je viens d'utiliser là pour traverser les mecs. Je sais pas si c'est vraiment worse au final. Ok. Je vais faire ça. Voilà. Hmm.
Non, j'aurais pas dû faire ça. Parce que là, je vais avoir archer. En vrai, c'est cool, mais... Est-ce que... Ça me fait pas rejouer, ça. Ouais, c'est con. J'aurais dû attaquer là. Non, c'est pas grave. Et en plus, je n'ai pas réussi à faire le défi. Je suis trop con. J'étais tellement dans mon truc, j'avais même pas capté que je devais les finir avec l'attaque. Bon, allez. Je me fais graille. Ça. Non, nous, on n'a pas besoin de se soigner. Est-ce qu'on a besoin de se soigner, nous? Mais bien sûr que non. On en a rien à foutre. Voilà, prends ton combo, mon pote. Tu crois que tu vas faire quoi? Tu vas juste rien faire. Ok, je t'explose. Attends, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Il meurt. Ça me permet de revenir. Je lui fais ça. Hop. Il apparaît. Un petit point d'action supplémentaire en réserve. Et on n'aura pas assez, mais bien joué. C'était un beau tour. Attends, il a one shot. Non, mais par contre, c'est très grave. Hein, là. Un niveau de dégâts, on n'en peut plus. Hein. Bon, on n'a pas eu le défi, ça dégoûte un petit peu. Parce qu'on va avoir quand même quelque chose d'intéressant. Donc, je vois. Envie de chialer. Oui. Ce putain de machin brossard. Qu'est-ce qu'il te faut, frère? Ralph Lalen, là. Je peux pas ouvrir ici? Il fallait que je lui ramène un truc particulier? Ou... tu veux pas l'animation de déplacement entre deux zones? Tu peux juste faire clic droit sur la prochaine zone et skip l'animation. Oh! On n'est pas des bêtes non plus, quoi! Mais là, je peux pas cliquer dessus. Enfin, il donne pas de quête. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, ça a l'air d'être bien fermé. Ah, c'est ouvert au chapitre 3. D'accord. Bon, bah, c'est notre moment. Le boss qu'on avait déjà fait avec Xav. Est-ce que je lui lave le cul? Je viens de commencer la calve déjà addict. Ah, bah, vous voyez, hein. Quand vous commencez la calve, après, c'est très, très dur de s'en sortir. Et encore, vous n'êtes qu'au début, donc là, découvrez, montez et tout, mais vous allez voir ce qui arrive là pour bientôt. Là. En dernier pour lui, ok, ça marche. Ok. C'est pas trop mal, hein. Qu'est-ce qu'on leur met là, ceux-là? On va juste appliquer mouillé pour le combo. Pas le mal. Ok, on se fait grailler un petit peu. Waouh, calme-toi, beau gosse. Faut qu'on détruise cette merde.
pas qu'on tue ça, si on lui met trop de dégâts, ça va être à terms. Okay. Eh ben pas mal. Fin de tour ici. Là, on est quasiment mid-life là, je pense que ça va être un peu chelou. Oh, il a monté l'attaque. J'aurais dû peut-être attaquer avant, je pense. Ça fait chier. Donc, on va le faire tanker de ce côté-là. On va jeter ça. Et on est à plus 4 pour le tour suivant. Donc, pas déconnant. Ah, voilà, il s'est fait laver. Putain, mais lui, il fait chier, hein. Il a de l'attaque. Regardez ce qu'on prend. Et lui, 365, ça va être très compliqué là, hein, je vais pas vous mentir. Je pense que là, ce qu'on peut faire, c'est... Ah non, putain, je peux pas piocher à cause de ce truc de merde, là. Ça fait chier, tout le monde. Ouais. Ça casse bien les burnes. J'ai mis tous les dégâts que je pouvais mettre, hein. Ça va être un peu compliqué maintenant. Il a combien derrière? 85, c'est ok. On va prendre ça, on va le mettre là. Voilà, ça prend sa part. Et lui, 98. On va le mettre vers le bas, je pense. Ah, j'avais un point d'action, ça c'était mieux je pense. C'est pas très grave. En vrai on est pas trop mal. Si je me prends pas la foudre sur ce tour là, si ça tank bien. Oh, oh non mais c'est une blague. Oh là 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 là. Gros, j'étais littéralement le boss du jeu. J'avais fait des méga combos de malade etc. Oh là non, je suis dégoûté là. Oh, pourquoi il me fout un... Attends quoi? Attends, t'es out du donjon si tu perds? Non, c'est une blague. Faut tout recommencer? Mais je savais pas. Ok, bah la vie de ma mère, je veux pas aider les autres connards. Hein. J'avais aidé tout le monde et tout. Non, je suis dégoûté. Ah, je suis... Non, je vous le dis, je suis dégoûté. Il attaque d'un compagnon, ouais, c'est ça. On verra plus tard. Ouais, je suis dégoûté, les gars. Non, je suis premier degré, je suis dégoûté. Je pensais pas. Je ne pensais pas. Je suis abattu. On va faire ça pour l'instant. Putain! Aïe aïe aïe!
Putain, il m'a lavé. En fait, c'est juste à cause du défi. Hein. Si on n'avait pas... C'est le putain de challenge qu'on a voulu faire. Hein. On aurait fini largement avant, mais... Fouah. Les challenges, en vrai, des fois, hein, t'es oublié de les faire. Hein. Alors. On peut faire... dégâts. Vas-y. On va se mettre là. Trente-cinq. Et... Oh, compagnon. Est-ce que tu le tues ? Non, 12. Là, c'est la merde, en vrai. Je sais pas si mon compagnon le va tanker. Ah bah ouais. Bon, bah, nique sa mère, le défi. Hein. C'est bon, les défis, on n'en peut plus. C'est bon, non, on n'en peut plus des défis, c'est bon. Foutez-nous la paix, foutez-nous la paix. Au revoir, monsieur. Je l'ai défoncé. Ouais, j'ai l'anneau, je pense que t'es comme tout le monde, mon pote. Tu dois pleurer sur les top drops et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ok. Puis tiens, un défi réalisable, là, pas un truc à la con. Tous les adversaires doivent être achevés avec l'attaque de votre héros. Ok, ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Ça, je te mets ça. Un petit archer. Avec l'attaque de mon héros, ah bah du coup je peux aller me faire foutre. Faut que je le tue au prochain tour. Je le tuerai. Faut que je laisse à 10 HP à chaque fois. D'ailleurs exactement, mais il était dispo en boutique à un moment triste. Ah bah là il est plus hein. Là, t'es tout nu, mon pote. Ok. Hop, boum. Ah, on passe pas derrière, je suis pas en combo, je suis con. Je suis complètement con. Pas le défi, hein, ça fait plaisir. On s'en fout de toute façon. Défi de merde. Tiens, mange ta mère. Et voilà. Pas invoqué de compagnon pour l'instant, on va attendre. C'est bon. Miss Calculated. Non mais ça va. Elle va tanker pour tout le monde là. C'est vrai que je trouve que ça fait quand même pas mal de damage hein. Même solo dans le donjon.
J'ai pas l'impression d'avoir le build le plus pété de l'univers non plus, dans le sens où c'est pas le build le plus nul à chier de l'univers. Oh non, j'aurais dû attaquer en premier. Je suis trop con. Non, pourquoi il me le met là? Parce qu'il a branlé. Ok, on est à pile ce qu'il faut. Le jeu est une pure drogue. Bah, ce que je dis, c'est qu'une fois que t'es lancé dedans, voilà, moi je suis en mode chill. J'aime bien faire ça le lundi parce que c'est live pépouze. Je suis en train de laver le serveur tranquillement. Non, là toi tu fais ça. Attends, qu'est-ce qu'on lui met à lui? On lui met archer après. On va faire ça, on va juste tabasse. Casse-toi. Hop, juste 19 de dégâts. Voilà, on fait des dégâts, mais ça ne le touchera pas. Et là, pour deux, on pioche. Superbe. C'est fait de renier ce système qui change de ouf la donne. Ah, moi, j'ai rien monté en termes d'objets, ouais. Effectivement, je pense que ça doit beaucoup jouer, mais moi, je n'ai rien monté. Il n'y a que les spells qu'on a un peu monté, mais c'est tout. Du coup, effectivement, ça doit faire une grosse différence, je pense. Rafichis, encore une fois, un défi qu'on n'a pas réussi. Pas de papy, brossard! Ça descend tout seul! Est-ce que vous voulez qu'on teste avec le build du guide? Le buildos du guidos. Vous savez quoi? On va tester. Parce que je crois que j'ai tous les spells. J'ai rien monté, là. Donc, il y a ça et ça, normalement... Ça reste. Le vert, il y est aussi. Ça y est aussi. Ça y est. Il y a du violet quand même. Qui est là. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, il y a du feu. C'est surtout ça. On n'avait pas d'éléments feu depuis le début. On a ça et on a ça qui viennent se rajouter. Spell qu'on n'avait pas, ça qu'on n'avait pas et qu'on n'avait pas. Et ça qui s'est enlevé, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc là, techniquement, ça on peut l'améliorer. Voilà. Un peu de dégâts supplémentaires, on prend. Ça un petit peu. Je suis en train de me ruiner. Je me ruine, les amis. Donc ça, c'est le build. Qu'on a checké, que vous m'avez envoyé, qui est très cool, et il nous manque toujours le gélano, le brassard, papy brassard, et l'anneau d'acier. Après, on est en train de monter ce qu'il faut. Là, on est à 10, je sais pas si on peut donner d'autres points. On a l'alignement Shaden, mais ça, archer Shaden, ça doit être, c'est ça. Vos sorts archers sont remplacés par des sorts super archers. C'est à prendre, mais niveau 30, ça, du coup, c'est le deuxième passif, quoi. De ce que j'ai compris, et ensuite on doit monter la vie, on est à 0 sur 15 ici, je crois que j'ai monté voilà, le 50%, et ensuite c'est le 25, donc là on va attendre 20 pour monter encore la vie, hein. Je pense que c'est beaucoup plus worth d'attendre d'en avoir un peu plus, et pour les familiers à l'instant T, je joue avec ce que j'ai, puisque j'avais pas de quoi augmenter le petit pingouin là. Ouais, je vais les conserver pour le moment, je vais juste monter ça, et c'est sur WavenDB que je fais ça. Un site que vous m'aviez conseillé. Alors, on y va. Normalement, on lui met ça. Ensuite, on lui met ça. C'est quoi le défi? Ouais, ça marche. Ok. Et d'où il rejoue le man, là? Combien? 9 dégâts, putain, fait chier. Vu que c'est 9 dégâts,
ça ne tuera pas. On va juste faire ça. On va se mettre là. Parce que mon passif est pas considéré comme un spell. Et ça, c'est considéré, c'est un sort, mais ça va trigger mon passif. Donc, je crois pas que ce soit si ouf non plus. Juste faire des dégâts. Ouais. C'est dommage que le passif soit pas, le passif qui est trigger par un spell ne soit pas considéré comme un spell. Bon, après, c'est ce qui fait que les défis sont chiants à faire entre guillemets. Hein. Il y a 19. Qu'est-ce qu'il y a 19 là-dedans? Téléporte votre héros jusqu'à 2 cases, inflige 50% de son attaque aux adversaires autour de sa case d'arrivée. Puis te téléporte à sa position initiale. Ça, ça a l'air fort. Ça, ça a l'air très fort. Genre pour le coup. Ça, je peux faire ça. Là tout va bien. Ça m'a fait chier, putain. Encore une fois, c'est ça qui me baise. Ça m'énerve. On est à plus de. Non, on s'en fout. Cette concentration. Ah, j'aime trop, hein. Ah, moi, quand je suis dans mes phases Waven, alors, il y a plus de vannes, hein, les gars. C'est concentration, pote. Hein. Ok. Et la BO, qu'est-ce qu'ils se sont arrachés pour la BO? En vrai, les musiques sont vraiment bien. L'attaque de mon perso, c'est quoi? C'est 22. Si j'attaque, ça fera pas assez. Ouais, c'est bien 22. Ouais, il y a 44. Ah, il va lui rester 22 et ça flige 21 de dégâts, putain. J'ai le démon. Alors attends, on peut faire ça. Boum. Ça me permet de recharger. Quoi? Bah j'ai pas tué avec un sort. C'est un sort qui l'a tué là. Bon, et tu sais quoi, les défis, ils iront bien se faire enculer. Voilà, dans le respect qu'il leur a dit. Parce que là, ça commence à me brumiser les burnes. Avec un petit brumisateur comme ça, sur les couilles. Bah non, j'ai utilisé le spell d'explosion là. C'est l'explosion qui l'a tué, c'est pas le passif. C'est pour ça que j'ai pas compris. Bref. Oh, tout me donne archer. Là, ça doit toucher aussi. Voilà. Ce sort est trop fort hein, pour le perso là. C'est une vaste fumisterie. Magnifique. Magnifique. Un petit papy brossard peut-être? Non. Ok, on va monter ça. Bien joué ça. Un petit papy brossard. Oh là là, et non. Le passif va peut-être proc avant le sort. Non, normalement, c'est d'abord le spell et ensuite ça proc le passif. Ok, donc là, est-ce qu'on va y arriver à se faire ce boss, les gars? Défi, pas défi? Rien à foutre, frère. J'espère qu'ils vont pas te nerf comme ils l'ont fait pour nous Xelor. Oh, je pense que la classe est pas la plus forte. Hein. On m'avait dit que c'était quoi? C'était pas le Yop qui était complètement fumax, là? Ah, je fais avec un sort encore une fois. Ok. Yop Kassai, ouais, Yop Kassai, on m'avait dit, hein. C'est bien ça, hein. C'est bien le Yop Kassai, où je dis une bêtise. C'est ce que j'avais oui dire, moi. Si je puis me permettre.
Non, j'aurais dû faire le spell. Ça, tac, et revenir. Trop bête. Yop, c'est celui qui pose des pièges? Non, je crois pas. Yop, c'est les juste les mecs qui tabassent. Qu'on fout full puissance, bourrin. Et Nivorasus, c'est l'arme la plus OP sur ce patch, je pense. Ok. Alors, je vois pas du tout ce que c'est. Donc, j'avoue, je peux pas vraiment me rendre compte. On peut pas les défier, hein. Vous en conviendrez. Ça, on s'en fout. On va l'enlever. Putain, ça fait des damage. Tu m'étonnes qu'il me faut beaucoup plus d'HP, quoi. Là, du coup, c'est un peu chiant. Lui, il meurt. En fait, on peut... Je pense que je vais garder mon attaque pour après, on va juste faire ça. Ah, fait chier, non. Il faudrait une TP, là. Je vais faire ça. Va toucher là aussi, tac tac tac. Je vais taper ici. Là, je pense que je tue. Avec toi qui spawn ici. Ok, on tue, on rejoue. Ah ouais, là, ça fait moins le bon hein, dès qu'on fait plus les défis, hein, sale con. Voilà. Ok. Let's go. Là, c'est un beau tour là. Ah ouais, j'avoue que ce build là. On voit le potentiel de fou avec la TP. En fait, c'est surtout le spell qui vous permet de vous TP, de faire des dégâts en AoE de 50% de votre attaque. Et il vous remet à votre place, donc ça proc le passif deux fois. Et ça, pour moi, c'est une zinzinulax. Hein. Pour le coup, c'est, je trouve ça très très fort. On va lui exploser sa mère, hein, je pense. Ok. On pioche. Et on va se caler là-bas. Pff, quel tour encore une fois, j'ai l'impression que je suis un génie du jeu quoi. Voilà, je suis full spell donc tu pourras pas mettre ta merde. Ça, c'est déjà une excellente nouvelle. 76, alors qu'est-ce qu'on peut aller se faire? En vrai on peut se faire ça. Ouais, tant pis, on va juste faire ça. Voilà, ça proc deux fois. Là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement attaquer là. Ensuite. Ah, fait chier, putain, ça nous approque ça encore. Ah, ça m'emmerde tellement. Bon, tant pis, hein, on n'aura pas archer. Voilà. Si, on a quand même eu archer, donc c'est une bonne good news. On tape, on revient en arrière. Voilà. Oh, quel tour encore une fois. J'aime trop parce que tu... C'est un puzzle game, quoi, le perso. Là, c'est gagné, hein. Ouais, c'est bon, les dégâts qui nous fait le bug, laisse-nous respirer, le chien.
Allez, pas de défi. Pas de Happy Brosaurs. No, fuck, mate. GG, wow. Les gars, GG. On a fini ce donjon. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Brassard. Non, c'est pas ce qu'on veut, malheureusement. Donc, on va tracer. Et merci pour les 12 mois, Sarah JK. Merci beaucoup. Merci, Ulcia, pour les 19e mois. Merci, Portugal, pour le 7e mois. Merci pour tous les subs et resubs, hein, pour ce September de malade. Il y a toujours plus de 3400 subs à la chaîne. Ah, c'est vrai qu'on est plus 3500. J'ai l'impression que c'est le bide. Ok, par contre, on récupère quand même pas mal de jetons Boutou, hein, avec ce qu'on vient de faire. Donc c'est pas. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. On a le Battle Pass classique. Ok. Putain, quel plaisir par contre de jouer au jeu sans, avec zéro bug, zéro lag. C'est vraiment du pur plaisir. C'est ça qu'il nous faudrait. Il nous en faudrait un peu plus. Comme ça, je pourrais l'acheter au marchand, quoi. Allez, peut-être dans les coffres, les gars. Avant de se laisser. S'il vous plaît. Ça, je vais toujours prendre. Ça, pas besoin. On va continuer sur ce qu'on a besoin pour notre build à monter. La vidéo du dernier react ne fonctionne pas. Depuis samedi, je n'arrive pas à voir. J'ai le sub. Ah bon? Du dernier react. Alors, t'entends quoi par ça? Par le jour où tout a basculé et tout ça? Anomazo. Un offert, un optimal, un onac, un olympique. Bon bah non. On n'a pas l'anneau qu'il nous faut là. Valider la mission quotidienne. Ah oui, bien vu. Bien vu. Bien vu l'ami. Tu sais quoi? Hop, je vais prendre des trucs que j'ai pas. Ça nous fera de la petite collecte. Allez, des spells. Il nous faut ça. Et il nous faut ça. On va pouvoir les monter. Encore de spells. Que de la derms. On va prendre ça. On va prendre ça. Nos trucs de TP1. Ok. S'il te plaît. Oh, il est là, mesdames. Il arrive. Il arrive à point nommé. Le papy Brassard. Ça y est, enfin. Enfin. Et le reste, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Bon, on va prendre n'importe quoi. Là, il arrive maintenant, les gars. Bon, c'est pas très grave, au moins on l'a pour la prochaine session. C'est lui qu'il nous faut. Allez, alors voyons voir, mine de rien, avec tout ce qu'on a récupéré, ça, on peut le monter. Tir tactique, c'est ça. Ok. Shuriken glacé, on prend. Donc là, on est d'accord que ça augmente les dégâts, hein, quand je le monte ici. Inflige 26 de dégâts. Soigne, ok, 16 points de vie. Ça a 37 de dégâts. Si je fais ça, c'est 39. Voilà. Ouah, les dégâts du bordel. Ok. Et ça peut pas être amélioré. Ok, nickel. Bien les damage. Maintenant, en équipement, on a eu enfin. Ah, je peux vous dire que là on est bien heureux. Le fameux Papy Brassard, c'est 500 balles. On prend. Et c'est ça qu'il nous faut, j'en ai 70. Critique, ajoute le sort reflet de poussette dans votre main. Alors ça fait quoi, reflet de poussette? Repousse d'une case. Une case éphémère ne déclenche pas les effets liés au lancement d'un sort. Se détruit s'il n'est pas joué avant la fin du tour. Ok. Si le mouvement de repousse est bloqué par un obstacle, l'obstacle est la cible suit case de la collision. Ok. J'ai pas l'impression. Ah si. Ah non, j'ai pas l'impression que ce soit le truc à focus. Merde. Le truc à focus avec le brassard. Est-ce que je suis obligé d'améliorer ça avant d'améliorer ça? Par exemple, ou pas du tout? Alors attendez, je vais aller voir sur le build. Regardez, sur le build, Papy Brassard, il y a... C'est quoi ça, jaune? Pourquoi c'est jaune, 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 rouge, jaune? C'est par rapport à quoi? Non, tu choisis, ok, merci. Et en fait, c'est... Ça veut dire quoi, là? Le code couleur, c'est quoi? Ah, rouge c'est prioritaire. Ah, rouge le plus important. Jaune et parce qu'il y a du, je vois qu'il y a du. Ah, optionnel. Putain, je suis con. Ah non mais les gars, j'étais tellement focus sur le texte au-dessus que j'avais pas vu. Donc ça c'est optionnel, secondaire, obligatoire. D'accord. My bad. Ah non, ce qu'il nous faut c'est quasiment les trois derniers, on va dire, sur Papy Brassard. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Moins point d'action au coup de son repositionnement rapide, ça c'est pas mal. 10% de vie à votre héros. Ah oui. Et plus une case à la portée du sort repositionnement rapide.
putain. Ça, là, pour 80, putain, ça manque de rien. Les runes d'équipement, je te trouve, c'est tellement dur à farmer, ça. C'est tellement long. Tellement long. Ok. D'ailleurs, bah, y a peut-être un truc à faire sur les anneaux que j'ai déjà, non? Sur ça, il n'y a que le deuxième. Plus 1% de vie à votre héros. Et ici, c'est... Ouais, d'accord, sur ce que j'ai, il n'y a rien de vraiment obligatoire. Il n'y a que le 2 de celui-là. Et ça coûte 100, quoi. Ok. Bon. Et on n'a pas l'anneau... Là, voyons, on l'a pas. Hein. L'anneau de fer. Enfin, c'est pas l'anneau de fer. C'est l'anneau d'acier, pardon. Voilà. On l'a pas encore. Il va falloir qu'on le récupère. Bon, maintenant, il faut qu'on focus ces deux trucs-là. Le build, il est en cours. On est à 15 de ce côté-là, mais on va attendre d'avoir 20 pour monter en 25% de vie plutôt que de claquer la 10 ici pour 12%. Et même si, enfin, 10 x 2, ça fait 20, tu monteras à 24% au lieu de 25. Donc, il vaut mieux attendre ici, les gars. Montez en priorité vos plus gros trucs. Hein. Ça, je pense, ça semble assez logique, mais on sait jamais. Et on sera très, très bien. Faut faire des broches plus tard, tu pourras en farm tranquille. Alors, les broches, j'ai toujours pas compris en quoi c'est fou. En quoi c'est intéressant. J'en ai 3. J'ai la monarque de Frankenstruc. Ça reste en permanence les broches, ou une fois utilisé c'est fini, ça disparaît quoi? Parce que début du tour il gagne 50% d'attaque et oxydation. Hein. À quoi ça sert en fait? C'est pour farmer les runes. Non, ça se consomme et après il faut redropper, d'accord. Ok. Le Frankenstruc là. En fait, ça invoque des mobs que tu dois péter pour ensuite gagner des trucs supplémentaires, quoi. Je regarde s'il n'y a pas eu d'autres skins entre temps. Non, pas encore. Ok. Il y a un petit éclair qui te dit le nombre de charges pour l'utiliser. Ouais, une sur chaque là, du coup. Et chaque fois, ça invoque un mob. Ok. Je me suis décidé dans un combat. Oui, je pense. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. On m'a tout de suite prévenu qu'il fallait vraiment pas l'équiper, sinon j'étais dans la demeure. Là, est-ce que... Non, mais en vrai, quand je vois son truc, là, si je le mets et que je vais me battre contre un bouffe-tout, 400, je peux le fumer, en vrai. Genre, c'est mon niveau, quoi. Et plus tu les fais sur des hauts niveaux, plus tu goûtes. Ok, d'accord. Vaut mieux le faire quand t'es plus haut niveau, quoi. Légendaire, c'est à 2 minimum. Mais attends, il a 400 HP. Non, je me rends pas compte, hein, peut-être. Ah, 401, c'est niveau 1 après. Ah, c'est la stat de niveau 1. Ah, donc là, s'il est, si je le lance, il sera à niveau 23. Ah oui, d'accord, donc il sera à niveau 23, ok. Pour moi, dans ma tête, je suis en mode 401, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la folie, quoi. Ah non, c'est au niveau de la quête, carrément. Ah, mais si je vais sur une quête niveau 1. Oui, d'accord. Si je vais sur une quête niveau 1, je peux le faire. Mais ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, vaut mieux les garder pour le late game et le faire plus haut niveau pour que ça drop de belles choses, quoi. C'est ça? Pour faire ça, niveau 50. Niveau 80, c'est genre... Attends, je croyais que c'était niveau 50, niveau max. J'ai loupé un truc. Ouais, c'est moins de cubes, tu récupères, c'est moins intéressant. Ouais. Ok, bon bah je vais les garder pour les prochaines quoi. C'est level 80, ok. Niveau 50 max du perso, 100 niveau max des quêtes. Ok, my bad alors. J'avais pas compris comme ça. Faudrait peut-être que je valide cette quête là. Bon travail, récupérer. Ok. Alors là, si on avait l'anneau d'acier maintenant, ce serait fou, non? Ok, on va prendre ça. Je vais prendre des raretés un peu plus au-dessus. Oh, alors peut-être. Oui, c'est vraiment ce que je voulais. Bon, ça, on va prendre parce qu'on joue. Et ça, c'est du légendaire. Enfin, du légendaire, du mythique. Je vais prendre. Quel jeu de fou, n'empêche. Genre, si je me connais. Hein. Je devais pas arrêter le live, hein. Je serais là encore jusqu'à Tarlanite, comme disent les jeunes. Par contre, ça, c'est trop long à farmer, j'ai l'impression. Les runes d'équipement et tout, c'est que dans les coffres, je crois. Du coup, faut farmer les coffres, fait... Pff, oh la vache, c'est vraiment, vraiment long, quoi. Île de Tofu, l'anneau d'acier, on peut aller voir. T'es sûr? Île Tofu, tu me dis? Ok. Bouffe tout, Borks. Île Tofu.
Anneau d'acier, tu as raison. Île des tofus, je sais pas si j'y ai accès, vite fait. Avant de me barrer. Je vais aller voir. Île des tofus, non, c'est mort. Mort de chez mort. Laisse tomber. En fait, il faut combien? Il faut en PQ, 35 PQ dans l'île des torts. L'île des torts, on est à 25, je crois. Putain, j'aurais pu les faire. Ouais, l'île des torts, mission de Ricochat. Ouais, juste n'importe quelle mission était bonne. Quoi. Hop. Ouais, c'est dead. Trouve des cristaux verts et c'est bon, il faudra que je le fasse. Bon, je vais arrêter là, je me connais. La dernière fois qu'on a changé d'île, on a repassé une heure dessus. Donc ça suffit, c'est 20h54. Ainsi s'achève le live. Je vais Alt F4, c'est trop. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain. Donc demain, comme je vous l'ai dit, 17h en live. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée de toute cette complétion de notre collection Pokémon en termes de cartes. Et on va ouvrir deux displays Flamme Obsidienne, les dernières, je pense, de Flamme Obsidienne. Ce sera les 5e et 6e displays qu'on ouvre de cette série-là. Ainsi que le coffret Dracaufeu GX qu'on m'a envoyé. Donc voilà, tout ça demain avec ma femme, tranquillement. Mercredi, vous me retrouvez sur la chaîne de Maxildan, évidemment pour Friendzone, le nouveau récap. Jeudi, notez-le, 20h, incroyable mais vrai, mais ça repart comme en 40, le grand quiz avec des invités fabuleux. On va annoncer MVDFG hein, directement ici. Et demain, dernier duo. Et vendredi, eh bien le vendredi React, un petit peu plus tôt, 14h, 17h, parce qu'après il y a l'anniversaire de ma fille. Et dimanche, je serai sur Whatnot, sur la chaîne de Micop, pour ouvrir un set de base, édition hein, de Pokémon, pour une œuvre caritative. Et ça, c'est très très cool. Voilà, je dis merci à tous d'avoir suivi. Merci encore une fois d'avoir été présent. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est toujours... Alors, c'est vrai que Waven, c'est moins... tu vois. Mais je me régale. Je me régale sur le jeu. Je le trouve très, très cool. À demain pour cette ouverture. Passez une bonne soirée. Merci à tous les subs et resubs qui profitent évidemment de ce September. Ciao. Bella ciao. Salut.